Bonjour. Ouais, bonjour, voilà, j'avais envie de faire du Toulouse, et comme j'avais pas envie de lancer un live, eh ben j'ai lancé sur Discord. Voilà. Du coup, la suite. Mais non, sérieux, Ellie, elle meurt. Oh putain. Oui, parce qu'il y a D'accord. Shino, il veut pas être spoil, et du coup, c'est... Le jeu s'ennuie. Alors c'est marrant, mais quand c'est toi qui joues, Ellie, elle meurt souvent quand même. Chut. Waouh. Peut-être que des fois elle meurt pour la science aussi. Ah oui, j'avais dit que j'ouvrirais cette porte plus tard. C'est quoi ce bordel? En tout cas, son vocabulaire est toujours de qualité. Ça a pas changé du 1, ça. La musique fait quand même penser qu'il va se passer un truc. Sa vie pour toi. Elle a fait son choix. Moi, j'irai pas la chercher. Alors rentre. Va-t'en. Va chier, Owen. Main en l'air. Où est Abby? C'était toi, la fille à Jackson. Dites-moi où elle est. Tu promets de nous épargner. Si tu lui dis, elle va nous descendre. J'ai aucune raison de vous tuer, c'est elle que je veux. C'est des conneries. Toi. Approche. Amène-toi, putain! Montre-moi où elle est sur la carte. Ensuite, à toi. T'as intérêt à ce que ça colle. Qu'est-ce que tu fais? Elle est sûrement déjà morte. Ça vaut pas le coup. Stop! On peut parler. Recule, connard! Montre-moi où elle est. Mange-toi, putain! Hop. Owen! Quoi? Mais j'ai spam. Faut spam plus vite. Non, je suis pas mort, c'est pas vrai. Le petit quoi aigu aurait pu faire croire, mais... Mais non. Ah. Dis-moi où est Abby. Où elle est, putain? Il a dit enceinte. Là. Elle. Je suis désolée.
tout va bien. Eh bien, on s'en va. Ah bah lui, il a réussi. Tout va bien. Alors, à voir avec Yuki, parce que mes souvenirs sont peut-être pas bons, mais je dirais que t'as dû faire au moins... Alors, soit je au sais moins où j'en soit suis. À peu près la moitié. Je sais où j'en suis, j'ai regardé la liste des chapitres. Et c'est ça, c'est vers la moitié à peu près ou... Moins de la moitié. T'as pas regardé les noms des chapitres? J'ai regardé sans regarder en fait, donc du coup j'ai pas... Pas de spoil? Non. T'as pas vu quand les dauphins se relèvent, sortent de l'eau, chopent des bandages, tout ça, tout ça? On sait rien que je fouille, il n'y a jamais rien ici. En même temps, c'est là où le perso crèche, donc j'espère que... Il n'y a plus rien à fouiller, que ça a déjà été fait. Ça va pas le faire, il y a de la neige partout. Non, d'ici à ce qu'on arrive, tout aura fondu. Où est-ce que tu vas? J'avais besoin d'air. Qu'est-ce que vous faites debout? Insomnie. Viens jeter un coup d'œil. L'idée, c'est de rentrer en passant par Ellensburg. Si on atteint Fall City demain, on avance bien. Eh. Ils méritaient ce qui leur est arrivé. Mais elle est encore en vie. Tu peux l'accepter. Ouais, faut bien. Je me serais bien passé de traverser l'Idaho encore une fois. Ce qui devrait te préoccuper, c'est la réaction de Maria quand elle te verra rentrer. On a connu pire. Mais au cas où, je suis passé par un quartier chic quand j'étais en ville. Et j'ai aperçu un collier. Il est bien brillant, je crois que c'est de l'or. Ouais, ça c'est ce que tu crois. Je te dis que c'est de l'or. Vas-y, fais voir. Je sais reconnaître de l'or. Hein. Si c'est bien de l'or, on peut faire cadeau commun. Débrouillez-vous tout seul pour l'amadouer. Ça va, toi? Ouais. Ellie. Ça va. Merci de pas m'avoir laissé tomber. J'abandonne jamais mes amis. Toujours le même refrain. D'accord, alors disons... Que mes amis savent pas se démerder. C'est mieux ça. Merde! Jesse! Lève-toi! Les mains en l'air ou je bute l'autre! Fais pas ça, Ellie! Fous le camp! Lève-toi, j'ai dit! N'écoute pas, je te dis! Toi, tu la fermes! D'accord. Arrête! Stop! Jette ton arme. Jette ton arme! Merde! Non. Non. Je sais pourquoi t'as tué Joel. Il a fait ça pour me sauver. C'est ma faute, y a pas de remède. C'est moi que tu veux. Relâche-le.
T'as tué mes amis. On vous avait épargné. Et voilà le résultat! Fin. Non. La suite, épisode 3. Oh. Papa! 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 Mais j'ai pas envie de jouer cette connasse, moi! Où il est? J'ai pas envie! Je ne veux pas! Papa! Allez, papa! Arrête un peu avec ça! C'est parti. Bon. Papa ! Bon, comment je fais pour passer au-dessus de la barrière ? Tu curerais. Écurie. Oui. Ah, il voulait peut-être que j'ouvre la porte des chiottes, non ? Non, c'est bon. Et tout ça, c'est bloqué. Super. Passage. Attends, genre elle peut sauter elle peut-être ? Non, quand même pas. Débile ou... Je peux pas grimper là. Ah, ok. C'est ça ? Non, c'est pas ça. Non. Les vitres, du moment qu'il y a par exemple une feuille, ouais, une branche, ouais, et tout comme ça dessus, elles deviennent indestructibles. C'est un peu ce que je me disais, mais bon, je me suis dit... J'ai pu voir Yuki tester plusieurs fois pour vérifier, on sait jamais. Hein. Vu que je suis désespéré, je me suis dit que j'allais tenter. Festival des Lumières. Ah bah je suis content. Pendant les fêtes, embarqué pour une incroyable virée nocturne à travers la forêt illuminée, un tunnel et d'étoiles et des dizaines d'animations lumineuses époustouflantes mettant en scène vos animaux préférés. Et oui, les reines sont de retour, réservées dès maintenant, du 14 décembre 2013 au 1er janvier 2014. On a acheté le deuxième à moins 50%. Ah oui. À la base, les champis, ils se révoltent en quelle année déjà ? Mais si je passais par le toit ?
C'est ce que je veux. On refaire le 1 du coup. Vas-y, je te regarde. Mais à quel point je suis débile là? Ouais. Une réponse. Oh. Oh là là. Oh là là, je suis. Fatigué. Oui. Voilà. Ça a marché. Ah, t'as pas enlevé les bouts de verre, tu les coupes. Ça va s'infecter. Ça va, c'est pas Project Zomboid. Visez-moi ça. 1978. Dinguerie. C'est parti. Là. J'ai envie de crever. Ces vitres épargnées. La classe, Abby. Wow. Ah ben voilà, elle est pleine de boue. Tout à l'heure, on disait qu'elle était pas pleine de boue. Abby. Voilà, elle est dégueulasse. Elle est pas debout. Elle est assise. Tu as de la boue un peu partout, chérie. Là aussi. Où ça? Juste là. Oh. Tu sais, à chaque fois que tu disparais, c'est moi qui me fais engueuler. Arrête. C'est dur à croire, mais il s'inquiète pour toi. Il n'y a aucun danger ici. Papa. Abby, elle est dans le coin. Je l'ai vue de l'autre côté de ces arbres. Et alors? Elle va bientôt mettre bas. On l'observe juste un petit peu et on rentre. Je te le promets. D'accord, mais on se dépêche. Heureusement. J'ai ma petite fille pour me protéger. Comment tu savais que j'étais ici? Owen a vendu la mèche, c'est ça? Il a fait ce qu'il fallait faire. Comment t'as fait pour qu'il parle? Je lui ai demandé. Hey, regarde un peu ça. Oh, wow. 1978. Je l'ai pas dans ma collection, celle-là. Elle est à toi. Si tu promets de jamais refaire un coup pareil. Alors marché conclu. Je te crois pas du tout. C'est vraiment mal me connaître. Allez bien, on s'y remet. Papa. Détends-toi. Tu retrouveras Owen dans pas longtemps. Qu'est-ce que... Non, rien. Tu passes beaucoup de temps avec lui en ce moment. Plus que d'habitude. Oh mon Dieu. Depuis quand t'es au courant? Je suis ton père. Je sens ces choses-là. Vous faites tous les efforts du monde pour ne pas vous regarder quand je suis là. J'en peux plus. Et il te fait rire. C'est parce qu'il est un peu idiot. Il se montre... Abby, regarde. Des traces récentes. Attends un peu. Ce serait pas une manière détournée de m'apprendre le pistage par hasard? Je ferais jamais ça. Et ça marche? Ben non. J'ai retrouvé ta trace. Oui, mais tu as triché. Sois prête à tout pour réussir. Waouh. Ça t'arrive donc d'écouter. T'as des éclairs de génie, parfois. On va voir si on peut trouver autre chose. Oui.
papa, j'ai trouvé... quelque chose. Ah, oh, c'est pas vrai. Elle a déjà mis bas. Ah. Et regarde, deux paires de traces. Papa? C'est elle. On y va. Elle a pas l'air bien. Non, elle souffre. Ben voilà, je prenais déjà la bonne direction, en vrai. Habille. Allez. Papa, attends. Et s'il y avait des infectés dans le coin? On craint rien ici. Ils peuvent être n'importe où. T'as ton flingue avec toi? Évidemment. Alors, je me fais pas de soucis. Mais merde. Habille. Ouf. Il faut qu'on la libère. Tout va bien, du calme. T'en fais pas. Je vais pas te faire de mal. Tout va bien. Merde. Elle est vraiment coincée. Ok, Abby, viens ici. Tiens. Je vais la tenir. D'accord. Ok. Doucement. Doucement. Doc, vous êtes là? Par ici, Owen. Mais... s'il te plaît, viens m'aider à la tenir. On a besoin de vous. Owen! Tiens là! Allez! Attention. Ok, tu la tiens bien? Ouais. Ok, à toi de jouer, Abby. Doucement. Ouf. Oh, oh putain de merde! Tout le monde vous cherche. Attendez! Papa! Oh. Qu'est-ce qui se passe? Allez! On a fait du bon boulot. Doc, la fille est arrivée. Quelle fille? Celle dont Marlène parle tout le temps. On l'a trouvée dans le tunnel. Elle a une vieille morsure au bras. Aucun signe d'infection. C'est pas possible. Ils sont déjà en train de faire des tests, mais... faut que vous alliez voir. Benichino. Papa. On y va. À mon avis, on veut jouer tout le scénario de, d'elle, là. Jusqu'à qu'on finisse par s'attacher et qu'on soit un peu en mode... oh là là, la pauvre, on va la plaindre aussi. Pas d'autre choix. Il doit y avoir un autre moyen. On ne peut pas prélever le spécimen sans détruire l'hôte. L'hôte. C'est une enfant, pas une boîte de pétri. Tu crois que je... t'avoue que quand Yuki jouait ce personnage... et qu'il y avait des fails. Tu veux parler de la tuer, non ? J'étais pas trop déçu, tu vois. Je veux parler de créer un vaccin qui sauvera des millions de vies. Elle est morte. Oh. Parce que c'était leur choix. Tu demandes mon avis ou t'as déjà pris ta décision ? Marlène, je veux que tu sois de notre côté. Et si c'était Abby ? Écoute, tout ce qu'on a pu faire, tous ces sacrifices, toutes ces atrocités. Tout ça serait justifié par cette seule action. Si on parlait de ta fille, qu'est-ce que tu ferais? Abby. Je t'ai apporté à manger. Merci, ma chérie. Écoute, Marlène... fais-le. Merci. Je vais prévenir Joël. Pourquoi? Il a traversé tout le pays avec elle. Il a le droit de savoir. Bonne chance pour l'opération. J'ai pris la bonne décision.
J'aurais voulu que tu m'opères. Putain, il est encore dans les parages. Abby. Non. Abby, regarde pas. Qu'est-ce que tu fais? Mani. Je fais le ménage. Non, 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 on est là pour lui, c'est tout. C'est trop risqué de le laisser partir. Non, mais tu t'écoutes. Il a raison. Il faut finir ce qu'on a commencé. Si on les tue, on vaudra pas mieux que lui. Ils ont rien fait de mal. Ah ouais? T'as vu ma gueule? Je l'emmerde, ta gueule. T'aurais dû monter la garde là-haut, comme je te l'avais dit. Bouge! Recule. Tu te calmes. Ou quoi? Recule, putain! Calmez-vous! Jordan! Tu vas me péter. Stop! C'est fini. Abby ? Oh. Du calme. Ça va pas, Abby ? Ouais, ça va. Et toi ? Je t'ai cherché partout. On a besoin de nous. Isaac nous demande sur le front. Quoi ? T'es sérieux, là ? J'en ai bien peur. Faut qu'on y aille. Quoi ? Là, tout de suite ? Ouais. Vamonos. Ok. Allez, sur ce, je vous laisse aussi. Des bisous, bonne nuit. Mais c'était... Des bisous. Au fait, merci de m'avoir laissé la chambre hier soir. De rien. C'était qui cette fois? C'est Braque, elle, c'est incroyable. Non, celle de la météo. Ouais. Elle a quitté sa montagne. Oh, la télé, alors. Sympa. Ouais. Ça m'a perturbé pendant pas mal de temps, je l'avoue. Elle a pas arrêté de me parler d'une tempête et... je sais plus quoi. Vu le gabarit des vies pendant autant de temps. Oh, carrément. Je peux mourir heureux maintenant. Tu m'étonnes. Tu pourras pas trouver mieux qu'elle. Bonjour, mademoiselle Potts. Bonjour, Manny. Elle aussi. Un gentleman sait tenir sa langue. Faut que je parle à mon père deux secondes. Tu me prends à manger ? Ouais, d'accord. Prends-moi un truc con picante. T'auras ce que t'auras. Scar est à genoux. Tu vois, il est en train de prier. Autant de te revoir aussi, Abby. Oula, qui c'est qui va me parler? Qu'est-ce que t'aimes dire, toi? Hey, Jordan, je t'avais pas vu. Tu viens avec nous au Cerevena? On doit aller à la base avec Manny.
Qu'est-ce que tu vas faire au Cerevena? Il faut qu'on aille évacuer l'hôtel et l'école. Prends le matos et on ramène tout le monde à la base. Sérieux? Ouais, j'arrive pas à croire qu'après tout ça, on se replie. On sait pas si c'est ça. Au moins, Léa reviendra plus vite de la station télé. C'est déjà ça, ouais. Faut que j'y aille. Que ta vie soit longue. Et que ta mort soit rapide. Oh. Bonjour. Ah, Abby. Vous allez bien? Je vais très bien. Tu voudrais pas lui demander d'enlever ça? Non, j'ai essayé. Eh, ça me va bien. Te ves horrible. Bueno, faut qu'on y aille. Fais attention à lui. Pour vous? Bien sûr. Bah, qu'elle est gentille, qu'elle est adorable. Y a quoi au menu? Des burritos. Encore. Ok. Abby, qu'est-ce que tu fais? Hey, tenemos prisa, dame tres burritos. Et dis donc, tu pourrais faire la queue. Putain, Manny, ça se fait pas. Excuse-moi. Attends ton tour, comme tout désolé. Le monde. Désolé. On doit aller au front, ok? C'est hyper embarrassant. T'en prends trois? Prends-en un. T'énerve pas. Mel vient avec nous. Manny. Il est où ton sac? Dans la chambre? Pourquoi tu me fais ça, hein? Parce que vous êtes mes amis. Et que j'en ai ras le cul de vos histoires. Elle est au courant que je viens, au moins? Ouais. Et elle est d'accord? Ouais. Pourquoi quand tu dis oui, j'entends non? Et peut-être parce que j'articule mal? Allez, arrête un peu de parano. J'ai l'impression que ça t'éclate de me mettre mal à l'aise. Non. C'est juste l'occasion de faire la paix et enfin passer à autre chose. On s'est à peine adressé la parole depuis Jackson. Je suis censé faire comme si rien ne s'était passé? Bien sûr que non. Faut juste que vous en discutiez. Elle voulait la peau de Joël tout autant que nous. Mais tu sais bien qu'elle est pas comme nous. Elle avait encore jamais fait un truc pareil. Tu parles, elle... Elle tue Descartes à tour de bras. Ouais, mais pas comme on a tué Joël. Je te rappelle qu'on est des troufions, nous. Elle, elle est médecin. Fais un effort, Abby. Elle fait partie de la famille. Fais-le pour moi, d'accord? Je vais essayer. C'est tout ce que je demande. Prépare tes affaires. Je vais chercher Mel. Ouais. Sois gentil. Va chier. Une scientifique, hein? Ah. Stylé. C'est quoi qui est stylé? Le stade. Ah. Toc toc. Alors, t'es prête? Ouais, j'arrive. Salut. Salut. Ils t'ont déclaré apte pour le service? Pour l'instant. Ils te mettront au repos, si tu demandes. Non, je préfère rester active. Et Owen est d'accord? Il devrait décider à ma place. On prendra Alice en partant. Hé. Hey. Essaye encore. Non, c'est par là. Et qu'est-ce qu'ils veulent exactement? C'est juste une patrouille de routine, t'inquiète. Et ça t'embêterait d'aller voir mon père à ton retour? Il a l'air... je sais pas... mal en point. Comment ça? Bah, en fait, il se plaint de fortes douleurs dans les poignets. Il peut à peine tenir une cuillère. On peut peut-être lui donner plus d'antalgique. Il paraît qu'Owen et toi, vous êtes dans la section 96? Ouais, c'est... c'est sympa. C'est plein de jeunes parents. Vous devez être impatient. Que le bébé arrive. Voir tous ces enfants courir partout. Ouais, je me prépare.
Tous ces mioches qui braillent. Owen doit devenir dingue. Il a encore rien vu du tout. Il est en patrouille avec Danny. Danny ? Aïe. Pas de bol. Ouais. Ah ouais, quand même. On emmène Alice. Elle joue à l'intérieur. Super. Abby, tu vas la chercher ? Hé, hey, ma belle. Aline. Hey, voilà ma préférée. La seule qui te supporte, ouais. Sois pas jalouse, non ? Hé, hey, Al. Tu veux voir les camions ? Allez, on y va. Oh, salut, bonjour. Bon, ok, mais juste parce que t'es gentil. Monsieur qui est le meilleur. Ouais. J'appelle la belle. Désolé, c'est ma faute. Bichette. Et ça t'amuse. C'est les mêmes qui viennent me bouffer après quand je suis avec Ellie. Je t'ai pas aperçu avec Jenny hier soir. C'est possible. Ah, du coup, peu importe le camp, tu leur fais du mal, c'est ça? Ça va, je vais bien trouver le temps long là-haut. Ça a l'air de lui plaire. Pauvre père. Tu l'entendrais parler de Cumulus. Au moins, elle n'est pas obligée de se battre, elle. Ouais, je trouve pas que ce soit un avantage. J'aimerais bien y échapper. C'est juste soigner des familles. Ça te manquerait de plus bouger de Scar. Non, je crois pas. Moi, ça me prendrait dingue. Salut, Abby. Salut. Hey. Salut Pat, comme d'habitude. Ça marche. Gracias. Y a quoi comme bagnole ? Prenez la S24. Je conduis. Je te signe. Merci. Que ta vie soit longue. Que ta mort soit rapide. Je crois que ça veut dire au revoir. Je vais peut-être m'échauffer. Eh, et si on se faisait un petit concours ? Le perdant nettoie l'appart. On joue gros. Le meilleur sur un chargeur plein ? Ok, cabron. Et donnez-moi une souris aussi. Je suis à la manette là. Putain. T'as pas tenté la tête, toi ? Non. La prochaine fois, je prends ce flingue. Ouais, c'est le flingue qui fait tout. Oh, d'ailleurs, il y a une tonne de vaisselle à faire. T'es pas cool. Oh, tu peux plier mon linge aussi. Tireuse d'élite, trophée obtenu. GG moi. On aille à la base. Des munitions si vous voulez.
gentil chien. Non, toi aussi tu m'as manqué. Hey, Alice va devant. Mel est enceinte. L'air frais lui fera du bien. Comme ça, vous pourrez papoter. Gracias. T'arrives à dormir en ce moment? Il y a même la nuit sur les oreilles du chien au vent. Tu veux que je te trouve quelque chose à la pharmacie? Non, ça va. C'est pas grand chose. Non, j'ai juste besoin de me fatiguer. J'ai pris plein de missions supplémentaires. Toi et Owen. Comment ça? Non, rien. Salut, Manny. Vous allez où? Au 2. Camion S24 au secteur 2. Que ta vie soit là. Et que ta mort soit rapide. On a perdu une écloserie? Ouais. Et vous avez prévu de la reconstruire? Non, Isaac dit que c'est pas une priorité. On pêche pas mal de saumon sauvage. Tu voulais dire quoi pour moi et Owen? Je l'ai pas vu depuis 2 semaines. Il arrête pas de prendre des missions. Tu lui as parlé? Il t'a dit quelque chose? On se parle jamais. Enfin, je le croise au réfectoire, mais... vite l'un l'autre. Jackson l'a marqué. C'est peut-être que ça. Sécuriser la zone. Eh ben, j'en ramasse des pièces, je vais être riche. Hey, Abby. Oui. Il y a assez de matos pour fabriquer un tuyau explosif. Bah, faisons-le. Ça va aller. Il y a plein d'endroits où se planquer là-dedans. Désinfecté.
Et le dodo. Oh. Tellement il ferme les pieds là. C'est bon? Ouais. La voie est libre. C'est vachement mieux que de picoler en regardant la télé. Hein? Non, rien. Hey, regardez là-haut. On voit de la lumière. Peut-être une sortie. Je vais monter pour voir ce que c'est. Mais par où qu'on monte? C'est parti. Ah, aussi elle est accro à la drogue. Dites non, non à la drogue. Vu que je vais mettre cette vidéo sur YouTube, ils vont pas aimer que je dise des trucs comme ça. Hein. Là là, il a parlé de drogue, on va le démonétiser. Je peux pas monétiser. Ami, tiens bon. Si j'avais su, j'aurais économisé mes balles, hein. Patate de fourrin, on m'a dit. Ouais, bah, ça marche pas bien, la patate de fourrin. Abby, elle est nulle à chier. Ah là, oui. Elle est bien morte. Chais. Oui. Eh bon, on joue Ellie ? Non ? Ah non. Zut, elle est morte. Ce mate, il est de bien. Oh. Manny. Je suis là. Honneur aux dames. Dans un mois, je passerai plus du tout. Vas-y, Abby. Bah, t'as dit honneur aux dames. Tu me plais bien.
rester un peu de soin, ça c'est pas de refus. Hein. Ah, okay. J'ai des kits déjà. Abby, ça me rappelle la serre de ton père. Je vois pas pourquoi. Les plantes sont pas crevées ici. C'est pas faux. Vous savez quoi? C'est peut-être une bonne chose. Vous aviez besoin de ça pour vous rapprocher. La ferme, mamie. Vous voyez? Ouais. Des boulons. T'en as trouvé une autre ? Ouais. Hey, je sais pas quoi en faire, je connais un super jeu de picole avec des pièces. Peut-être plus tard. Base est droit devant. Pas de car en vue. Ils sont là. Ouais. Allez, on continue. Allez, let's go. Bon sang. Vous vous souvenez quand on pouvait passer par là sans se faire attaquer par les scars? Tu regrettes l'époque de la trêve? C'était la belle vie, hein? Un peu trop belle. On leur a fait confiance. Et ils ont pendu toute une escouade. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'on a flingué ces gosses. Peut-être bien, mais ces gosses ont attaqué nos gars. Qu'est-ce t'aurais fait, toi? J'en sais rien. Pas les criblés de balles, en tout cas. Ouais, bah pour moi, nos gars passent avant tout. Mamie, c'est juste des gosses. C'est pas leur faute. C'est pas la nôtre non plus. Tous ces morts, c'est à cause d'eux. Si tu le dis. Je voudrais pas porter la poisse, mais c'est vachement calme ici. Surveillez bien les environs. On devrait être de l'autre côté de la clôture. On coupe par l'intérieur? Ouais, ça nous a vachement réussi la dernière fois. T'as autre chose à proposer, Manny? Non, je suis juste énervé. Mais c'est fermé, monsieur. Ah, oh. Il y a deux secondes, j'avais pas le triangle. Quelque chose qui bloque la porte. Non. Peut-être qu'il y a une autre entrée. Là-haut. Manny, va voir en haut. J'y vais. Câble est coincé, on dirait. Ah, il va me le faire descendre. C'est bon. Vas-y, grimpe. Mais reste avec Alice. Je vais essayer d'ouvrir cette porte, histoire de vous faire entrer. Cool. Fais attention. Alors? Toujours pas de scar en vue. Ils ont peut-être laissé tomber. C'est vachement haut. Ouais. Et ben on récupère ça. C'est parti. Oh putain, je crois qu'elle allait se jeter. Moi j'y pour la science, t'aurais dû tester. C'est bon. Ah. Bien sûr, elle fait ça toute seule. Ok, bah c'est bon. C'est Abby ou c'est pas Abby? C'est rien. C'est par ici. Oh. Regardez ça. Ça, c'est ce que j'appelle un autre. Je suis rien, quoi. Faudra qu'on revienne dans le coin. Commandement réclame sans cesse des pièces détachées. On n'a rien là. Ah, t'es fermé. Ah non, ok.
Waouh, ça utilise plein de trucs ça. Ok. Allez-y, je tiens. Je vais la bloquer avec vous. Je suis désolée. Est-ce que ça va? Ouais, la poignée a lâché. On fait quoi du coup? Abby, regarde. Une lucarne. Manny, bouge pas! On va trouver un moyen de grimper sur le toit! Ok. Alors, t'es contente de faire partie du voyage? Si on veut. Fais-moi penser à remercier Manny. Je suis contente d'être avec vous. Je m'en serais voulu de pas avoir été là pour vous aider. Ah oui, non, toujours pas le bon bouton, ça. Ah, ça s'est fermé. La drogue, faut dire non, non. Ah, et y a pas plus ici en fait. Attends. Ah non, je crois qu'il y avait un truc. Ok. J'aurais aimé que ce soit par là. ML. Je vais t'aider à grimper. Va voir s'il y a quelque chose là-bas. Ok, allez, go! C'est bon. Ça donne quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je nous sors de là. Ok, mais... vas-y doucement. L'avantage d'être enceinte, c'est que j'ai le centre de gravité plus bas que la normale. Je te crois sur parole. Oh, j'ai réussi. C'est bien, GG. Et maintenant ? Tu peux nous faire un truc ou... Vas-y, grimpe. Merci. Ah là. Putain, je voyais pas où est-ce qu'elle était. Elle se fout de ma gueule ou... Elle me dit vas-y grimpe, mais où? Bah... là-haut. ouais. Y'a pas de corde, y'a rien. Comprends rien là. Mais là, à l'intérieur, y'a pas un truc qui pendouille en bas? Ah putain, attends, c'est bon, elle m'a ouvert la porte là. Passer sur le bateau. Hey, bien vu. Ah, je t'ai poussé. Ce bateau me rappelle un peu celui d'Owen. Les poutres en face là. Il essaie encore de le réparer. Ouais. D'après lui, c'est juste l'histoire de quelques jours. De quelques jours. Mais chacun son obsession. Oups. Il
Il y a une passerelle qui conduit à la lucarne. Mais comment on fait pour y aller? J'avais pas vu la corde. Okay. Pourquoi pas? Tellement facile ça. Oh, c'est vachement haut. Ton vertige te joue des tours? Oh, surtout quand je regarde en bas. Oh non, elle a des petites faiblesses. Elle a le vertige. Les voilà. Manny, on arrive. Ok. Regarde. Notre base adorée. On y est presque. On doit pouvoir couper par la gare. Tu veux pas descendre du toit d'abord? Ouais. J'ai du mal à imaginer que tu puisses avoir peur de quoi que ce soit. Je suis pas aussi dure que tu le penses. Oh, arrête. Genre, je pourrais pas opérer les gens comme tu le fais. J'aurais trop la trouille de faire des conneries. Parce que tu crois que j'ai pas la trouille, moi? Ça vaut ce que ça vaut, mais mon père te considérait comme sa meilleure élève. C'est vrai? En même temps, t'as toujours dit que c'était un imbécile. Viens. Alice, c'est bien ma fille. Il était temps que vous vous reparliez. C'est tranquille ici? Ouais, ça me plaît pas. Bon, on est presque à la base. Putain, quand on sera rentré, je vais me trouver un canapé, mater un film et picoler jusqu'à plus soif. On se casse à toi, hein. Picoler quoi? Oh, quel film? Bonne question. Le film, c'est celui... comment ça yama avec la fille qui chevauche un loup. Oh, j'adore ce film. Et pour la picole, il me reste du mezcal de la semaine dernière. Une minute, je croyais que c'était notre mezcal. Si, si. T'inquiète, je t'en laisserai. Oh, qu'est-ce que je donnerais pas pour un remontant? Enfin, si j'étais pas en cloque, ni en train de fuir... Eh, c'est par là. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Je sais pas, moi je t'ai vu continuer, du coup j'ai continué, mais... c'est bon, vas-y, me bloque pas le chemin comme ça. Ok, on va suivre les rails. Ils nous ramèneront sur la route qui conduit à la base. J'aime pas ça. Je sais. Restez sur vos gardes. Il y a un moyen de franchir. J'ai pas l'impression. Silence. En voilà d'autres qui arrivent. Attends, mais je peux pas passer sous le train? Ah. Là non. Merde. Solo. Wow.
Si je peux récupérer quelques trucs, on va pas cracher dessus. Hein. Mais c'est compliqué de tirer avec cette arme. Putain, tout ce que je gaspille. Putain de merde. C'est fini? J'en vois pas d'autres. Suivez-moi, on y va. Dis-moi qu'il y a plein de munitions là. Moi qui ai plein de munitions là. Ouais. La clé est bien cool. Regardez, on y est presque. Par ici. De ouf. Allez. J'ai voulu prendre ma vie, les gars. Sur qui, moi? Je crois que c'est des renforts. Allez, qui sont arrivés. Ouais. T'en retires pas dessus, ça serait mal vu. Oh putain, je vous aime. Je donnerai vos prénoms à chacun de mes gamins. Prêt? Heureusement que vous étiez dans le coin. Une chance qu'on soit passé par là. On a entendu la fusillade. Mais toutou! Ah. Ouais, je devrais m'en sortir. Je te tiens. Hé, laisse-moi voir ta main. C'est bon.
T'inquiète, on arrive bientôt. Ouvrez le portail. Laissez-les passer. Mel. Quoi? Ton dos. Serre aussi fort que possible, ok? Fais chier. Je l'ai même pas senti. Eh, on en a deux. Il a une blessure par balle, à la main. Un compliment. Oh. Pour te faire soigner. Pas bouger, Alice. Allez, c'est par là. Assise. Il y avait beaucoup de sang, pas vrai? Elle devrait pas sortir. Ça va aller. Ça va aller. Cette beauté. Allez, viens, Fifi. Elle s'appelle Alice. Viens, Alice. C'est bien. Hé, hey, merci. Moi, ces nouvelles recrues, je leur fais pas confiance. Merci encore, les gars. Hé, hey, Manny, attends. Vous êtes proche du commandement. Vous savez ce qui se passe? Comment ça? Ça fait 3 jours qu'on attend ici sans rien faire et on est au courant de rien. Alors, vous devriez nous remercier d'avoir mis de l'ambiance. Allez, vous nous devez bien ça, vous pouvez vous renseigner. Ok, j'espère d'avoir fini. Au rapport. Salut, vous deux. T'as quelque chose pour nous? Pas de mission, vous devez juste aller voir Isaac. Tous les deux? Ouais. J'avais jamais vu autant de monde ici. Il y a quelque chose qui se prépare. On ferait mieux de trouver Isaac. D'abord, on doit s'assurer que Mel va bien. J'ai l'impression de voir que des nouvelles têtes. Et toi? Ah, on va pouvoir crafter un peu. Hey, salut. Abby. Une fois que c'est toi qu'on doit sauver et pas l'inverse. Enfin, une seule fois. Et ben elle se sert bien la gamine. Hein. Mm-hmm. Stabilité, ça me va ça. Ouais, c'est trop cher. En fonction des armes, en dehors des dégâts, il y a quoi qui change? La portée, la précision, la cadence de tir, le recul, la dispersion des balles. C'est du bon boulot, bien joué. Merci. T'aurais pas vu Isaac? Non, avec tout ce temps, moi aussi. Pensez à tout. Abby, viens voir 2 secondes. Je propose votre embuscade. C'est arrivé où? Quelque part, ici. Près des entrepôts. Oh, merde. Ils arrivent à passer sans qu'on les voie. Vous auriez pas vu Isaac? Il était là il y a quelques minutes. Ok, merci. On va le chercher. Bon, la bonne nouvelle... Je me suis bien amoché, hein, docteur? J'ai vu pire. Comment c'est arrivé? Ne bouge pas. Inspire ma plante. Ouais. Salut, toi. Tu vas mieux? Les antidouleurs font effet, alors. Ça va. Tiens. La main, ça va? J'ai gardé la plupart de mes doigts. Hé, hey, t'en as besoin que de 3. Tu crois pas? C'est ça. Je peux avoir quelque chose? De la morphine? De la morphine, non. Attends une seconde.
Je sais. Annie s'est chargée de lui. Il lui a brisé la nuque. Tiens, quand on parle du loup. Ah, salut. Comment tu te sens, Mel ? Encore quelques points de suture, et je serai comme neuve. Vous pourriez m'aider à convaincre cette fille de se détendre ? Hé, hey, Mel. Détends-toi. Pigez. Dites, j'ai besoin de bras, alors vous pourriez me donner un coup de main ? Bien sûr. Tu bouges pas, hein ? Je reste là, t'inquiète. Je me détends. Laura, est-ce que t'as pu te reposer un peu ? Je pars bientôt pour l'hôpital du quartier ouest. Les ordres, c'est de tout récupérer. Comment va Mel ? Réellement ? Les signes vitaux du bébé sont un peu élevés, mais... je suis pas inquiète. Il faudrait prévenir Owen. Il voudrait être auprès d'elle. Ouais. J'ai quelque chose à vous montrer. C'est-à-dire ? Suivez-moi. Ça peut l'air bien gay, ça. Oh, putain. Ce sont des gens de chez nous ? Ouais. Et il en arrive sans arrêt. Ne dites rien à Mel, ok ? Laura. Enfin, pour l'instant. Venez. Y'a qui là-dedans ? Putain de merde. C'est Dani. Où est Owen ? J'en sais rien. Il y a quelques jours, on a repéré des scars près de la marina. Dani et Owen sont allés jeter un œil. Et ce matin, les gardes ont retrouvé Dani effondré près de la clôture. Il s'était traîné jusqu'ici, avec une balle dans le ventre. Pinches scars, hijos de puta. Isaac est resté avec lui jusqu'à la fin, mais... autant que je sache, aucune unité n'est censée y retourner. Et sinon, pour Owen ? T'as demandé à Isaac où il était ? Oui, j'ai essayé. Mais il m'a lancé un regard de tueur et il m'a dit d'en parler à personne. Du coup, c'est valable pour vous aussi. Owen sait se défendre. Je suis sûr qu'il va bien. Où est Isaac ? Je serai discrète. Aux dernières nouvelles, il était dans l'immeuble. Bon, faut que j'aille m'occuper de Mel, alors... tenez-moi au courant, ok ? D'accord. Merde. Pourquoi Isaac a pas envoyé des squads à la recherche de Owen ? Peut-être qu'il l'a fait sans le dire à Nora. J'espère que c'est ça. Bonjour, petit monsieur. Ouvre-moi la porte. On cherche Isaac. Il est à l'intérieur. Allez-y. Merci. Ah bah merde, regardez qui voilà. Ça va, les gars ? Tu veux faire une partie ? Pas le temps. Viens voir Isaac. Tant pis pour toi, primeur. J'y peux rien si je fais du boulot. Allez, à plus. Isaac, ça aura pris 3 jours, mais j'ai fini par faire parler le numéro 74. Si ce qu'il dit est vrai, alors la côte sud est notre meilleure chance. J'ai annoté cette carte, une carte que j'ai laissée dans ta suite. On devrait envoyer des éclaireurs en repérage dès que possible. J'ai l'impression qu'il nous a pas tout dit. Laisse-moi encore quelques jours avec lui, sergent Foster. Ok. Ça fait parler des gens, quoi. Cet endroit me manque pas. Putain. Ce que je déteste, cette odeur. Après ce matin, j'ai bien envie de leur régler leur compte. Tu m'étonnes. Salut, Abby. On doit monter. Isaac est là-dedans. Ah. Il en a pour longtemps. Il voulait justement vous voir.
Venez. Monsieur, Abby et Manny sont là. Ne laisse pas s'endormir. Compris. Venez avec moi. Il est pas cool ce Isaac, hein? On m'a dit que vous aviez eu des problèmes tous les deux. Rien de grave. Pas l'air commode. Mais que quelques blessures. Contrairement à nos ennemis. J'aimerais entendre ça plus souvent. J'ai jamais vu autant de monde à la base. Et on est loin du compte. J'attends encore d'autres unités. Qu'est-ce qui se passe, chef? Cette petite guerre a assez duré. Ça peut pas continuer comme ça. Alors, quoi? On pourrait retenter une trêve. Mais tôt ou tard, un connard finira par tout foutre en l'air. Et ça peut venir de leur côté comme du nôtre. Non. Il ne doit en rester aucun. On a déjà essayé d'attaquer leur île et... Pas comme ça. Pas avec tout le monde. Il y aura une tempête dans quelques jours. On pourra les approcher discrètement. Vous deux, vous mènerez le premier assaut. Faites vos équipes. Préparez-vous. Je veux Owen. Il revient quand, avec Danny? Qui te l'a dit, Nora? Je vois que les gars de Salt Lake ne gardent pas de secret entre eux. Owen va bien. Autant que je sache. Alors... Pourquoi personne n'est parti à sa recherche? Il a tiré sur Danny. Apparemment pour protéger un Scar. C'est des conneries. Excuse-moi. C'est pas son genre. C'est une erreur. Tu crois que Danny aurait utilisé son dernier souffle pour me mentir? Monsieur, si les autres l'apprennent, Owen est mort. Le premier qu'il trouvera le tuera sans hésiter. Dans ce cas, je vous conseille de pas jouer les commères. Laissez-moi y aller. Je vais le ramener et on tirera tout ça. On a quelques jours avant la tempête. Non. Cette chance ne se présentera qu'une fois. Et c'est plus important que tout le reste. Bien plus important qu'Owen. S'il revient, alors soit. Je lui laisserai le bénéfice du doute. Et on tirera cette histoire au clair. J'ai besoin de toi, Abby. Ok? Ouais. D'accord. Bien. Jetez un œil au plan et choisissez votre équipe. Prenez des vivres. On se voit plus tard. Owen n'aurait jamais tué Danny pour un Scar. Hein? Quoi? Non. Abby, reste ici. Je serai revenu avant l'aube. Couvre-moi jusque-là. Isaac va te botter les fesses. Pas avant l'attaque. Il a dit qu'il a besoin de moi. Si Owen est encore en vie, comment tu vas faire pour le retrouver? Je sais où il ira. Hmm.
sérieuse. Arrête, merde. D'accord. Viens à côté de moi pour admirer ce beau paysage. C'est joli. Vraiment joli. Non. Allez. On est arrivé jusqu'ici. Et toi, tu veux laisser tomber si près du but. Ouais. Ouais, j'avais promis de monter. C'est fait. Bon, voilà ce qui va se passer. Tu vas ramener ton cul de ce côté. T'asseoir sur le bord, ou ici, sur le siège pour les petites filles. Et on va admirer le paysage. On peut pas rater l'entraînement. T'es sûr? Même pas pour une seule nuit. Non. On peut en parler. Il est tard, Owen. Ouais. Oh, ok. Non. Non, arrête, c'est trop. Oh putain, t'as raison. Tu sais, je vais pas pouvoir continuer comme ça, Abby. Owen, arrête ou je vais rompre avec toi. Owen. Je t'ai toujours aimé. Non. Owen. Et là, elle fait un plat. Oups. Abby ! Je suis là, espèce d'enfoiré. T'as sauté ? Et j'ai raté ça ? J'ai cru que tu t'étais noyée. Et tu es venue me sauver ? Non. Je voulais voir si t'étais bien noyée. J'ai trouvé quelque chose de génial. Quoi ? Si tu veux le savoir, tu vas être obligé de me suivre. Owen, il faut qu'on y retourne. T'inquiète, viens juste voir ça. Owen. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Il va pas virer des lucioles paumées quand nulle part où aller ? Peut-être. Je préfère pas le savoir. Viens juste jeter un coup d'œil. Inspire à fond. C'est une sorte de... De zoo. Pour poisson. Ferme-la. Regarde un peu ce bébé, là. J'ai vu un phoque il y a pas longtemps. Avec des petites taches partout. Ils ont pas de taches, ils sont bruns. Ça, c'est les lions de mer. Non. Non, tu connais rien. Je sais ce que j'ai vu. Je suis pas aveugle. Donne-moi un coup de main. Ok. Oui. T'en vas tuer, ça va. C'est bon. Vas-y.
quoi, cet endroit ? Bah, on dirait que c'est un genre de théâtre, mais pour les poissons, quoi. Tu te prends pour un coq ? Quoi ? Je fais le loup. C'est mon Creed Wolf. T'es trop bête. Tu crois que ce bateau faisait partie du spectacle ? Non, on dirait plutôt que quelqu'un s'est bricolé un genre de quai d'amarrage. Il y a des vêtements d'enfants. Il y avait une famille ici. Ah, regarde ces dessins. Je me demande ce qui leur est arrivé. Ils ont peut-être rejoint les wolves. Ouais, ou des scars les ont tués. Toujours aussi optimiste. Allez, on a fait le tour. On continue à visiter les eaux des poissons ? Tu crois qu'il y a autre chose ? Bien sûr. On y va. Essayez par là. Aide-moi à monter. Ouais. Viens là. Ok. Oh, la vache, t'es balèze ? J'ai soulevé 90 kilos hier. Dans tes rêves. Bon, on jette un coup d'œil rapide, et après... On rentre direct. Oh, oh la vache. Waouh, on voit pas ça tous les jours. Cet endroit est incroyable. Ça faisait longtemps. Je rajoute un peu le bruitage parce que bon. C'est un aquarium dans le sol. T'imagines cet endroit rempli de monde, avec des enfants qui couraient partout. C'est un autre monde. L'endroit sera mon royaume. C'est chez moi. Viens quand tu veux. Oh, t'es sûr de ça ? En fait, pas vraiment. Je vais attendre de voir si t'es sympa avec moi. T'es vraiment trop con. Tu commences mal. Il faut absolument qu'on amène les autres ici. C'est ça, en les incitant à désobéir, eux aussi. Tu trouves pas que ça valait le coup ? On verra si on se fait engueuler en rentrant au camp. La ferme. Alors, est-ce que j'ai droit à... Oh ouais, t'avais raison. Merci de m'avoir traité pour cet endroit magnifique. Je vais y réfléchir. Ça me va. Bon sang. Je crois qu'on a trouvé le capitaine. Merde. J'emmène Max loin d'ici. Il peut pas passer sa vie enfermé dans ce bâtiment en décomposition et il ne fera qu'hériter de tes faiblesses. Quand les soldats ont tué maman, t'es resté planté là comme un lâche. C'est pas un exemple à suivre, t'aurais dû te mettre en colère, t'aurais dû leur faire mal.
autant qu'ils ont fait. Je veux que Max puisse voir des gens se battre pour ce qu'ils veulent et faire quelque chose de leur vie. Le monde est rude, c'est à nous de le changer. C'est seulement en étant faible que ma véritable force apparaît. Peut-être qu'on reviendra un jour. Si c'est le cas, j'espère qu'on te retrouvera pas encore assis dans ton putain de fauteuil. Putain, j'ai eu du mal. Hein. Ses enfants sont allés rejoindre Nescar. Maronel. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a les clés. C'est quoi ton problème? C'est un squelette, il en a plus besoin. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse volontairement rejoindre Lescar. Pourquoi? Parce que c'est une secte à la con, c'est tout. Bah, je vais pas tarder à le dire. Les Lucioles sont considérées comme des terroristes. Ah mince, je t'appelle bonne nuit. On était naïfs. Pas tarder, pas maintenant. Fanatique. On faisait sauter des postes de contrôle et on tuait des soldats. Évite de dire ce genre de conneries au stade, ok? Ok, d'accord. Tu crois que c'est les gens du bateau? J'imagine que c'est eux, ouais. Ferme. C'est le moment de sortir les clés. Ah ouais. Celle-ci. Non. Ou alors... C'est bon. Ça a dû prendre une éternité de peindre ça. Me dis pas qu'on va descendre par là. Allez. Owen. Après, j'arrête. C'est promis. Promis. Évite de... regarder en bas. Oh. Descends. Ça va aller. Regarde ça! J'aimerais trop rencontrer ce gamin. Bah... C'est un Scar. Tu l'as peut-être déjà rencontré. Oh, la vache. J'espère que non. Pas mal ta forteresse, Max. C'est vachement bien foutu. Wow! Allez, amène-toi! Je suis moche, c'est ça? C'est mon corps qui te dégoûte. Allez, Abby. Je suis désolée. T'as pas à t'excuser. Qu'est-ce qui va pas?
Je sais qu'on a suivi toutes les pistes possibles. Mais... Mais Joël est là, quelque part. Je sais. Qu'est-ce qu'on fait? On y retourne. On arrivera pour l'entraînement. Vas-y, toi. Et toi, alors? Je vais regarder les phoques un petit moment. Je suis désolée. Je viens de te le dire. Ne t'excuse pas. Et si Owen s'était caché ailleurs? Il est là-bas. Allez, tirons-nous d'ici avant de se faire repérer. Y a moyen que tu changes encore d'avis? Non. On sait pas ce qui s'est passé. Il faut que je le retrouve. Enfin, si vraiment tu es Danny... On s'en fout de Danny. Je suis jalouse qu'Owen l'ait buté avant que je m'en charge. Hé, Abby. J'apprécie que tu m'aides, filer en douce. Tu vas y aller comment, à l'aquarium? Par l'autoroute? Non, y a trop de patrouilles. Je me ferai repérer, c'est sûr. Je vais me frayer un chemin. L'aquarium est pile à l'ouest. Suffit de suivre le soleil, pas vrai? Je viens avec toi. Je l'ai déjà fait. Pas avec autant de scars dans les environs. Manny, s'il te plaît. Bon, c'est toi qui vois. Bon, allez, moi je pense que je vais arrêter cette vidéo ici, les amis. Des bisous, et puis bah, bientôt en live. Ciao.